Salut à tous, on se retrouve pour une nouvelle vidéo sur Mobile Legends. Et aujourd'hui, eh ben, y a eu la nouvelle mise à jour qui est sortie. Alors je vais pas expliquer tout ce qu'il y a dans la mise à jour. Si vous voulez savoir tout ce qu'il y a, je vous conseille d'aller voir une vidéo que Xelask a sortie, ou sinon d'autres vidéos qui sont sur YouTube qui parlent de la nouvelle mise à jour. Mais nous, on va seulement s'intéresser, pardon, c'est pas là, au personnage qui est sorti. C'est-à-dire Dirot, c'est comme ça que ça se prononce. Dirot qui est sorti. Et Bane qui a changé. J'ai fait une game avec lui. Il est trop stylé. J'adore son nouveau pouvoir. Je sens que je vais beaucoup le rejouer. Et je me dis dommage que c'est pas un tank. Et je me suis demandé si on pouvait utiliser. Genre le mec c'est un combattant. Mais si le combattant on pouvait l'utiliser en mode tank. Genre tu fais genre dis oh j'ai besoin d'un tank et tu utilises lui en mode tank. Je sais pas, il peut très bien faire tank. Comme Zilong je trouve. Alors que Sun lui c'est vraiment un combattant. Enfin après voilà quoi. Je sais pas, j'en sais rien moi. Balmon aussi il fait. Ah bah il est tank aussi Balmon. C'est normal. Et Dirot il est seulement combattant. Et je me suis dit pourquoi pas. Et il y a aussi, je crois qu'il y a aussi Argus qui a changé. Argus si c'est un assassin si je me trompe pas. Non, c'est un combattant. Oui, je l'avais pas vu. Je sais plus ce qu'il a changé sur Argus. Mais je crois qu'ils l'ont mis juste plus réaliste quand il fait ses pouvoirs. Il n'y a pas grand chose qui change sur lui. Hein. Et le deuxième truc de son pouvoir. Son premier pouvoir quand tu attaches quelqu'un, et ben bah, à la place de pouvoir aller de l'autre côté de la personne pour pouvoir l'attaquer, et ben bah, tu peux bouger partout où tu veux, enfin faire un pas comme tu faisais, mais à la place d'aller derrière la personne, c'est où tu veux. Mais bon, là on va jouer une partie avec Dirot. Normalement, l'argent que j'ai là c'était censé être pour acheter mon tank. Mais j'ai envie d'acheter ce personnage et je me dis ouais en vrai je vais l'acheter puis le tank hein, de toute façon j'utiliserai Bane hein, et puis voilà on va dire oh non c'est un tank hein. Allez on va l'acheter juste parce que allez est-ce que j'achète, attends c'est quoi requête, ah c'est pour demander un héros, oh tu peux demander qui te l'offre, ah stylé, alors tu peux demander à tes amis que pour qui te l'offre. Mais on va pas demander, on va se l'acheter pour dire que c'est vraiment un héros qu'on a acheté lui. On l'achète. Oh là là, on l'a vraiment acheté. Entraînement. Est-ce qu'on va aller s'entraîner avec Dirot un peu, je pense. Hein. Déjà, faudra qu'on trouve son build qui ira bien. Il remplacera jamais Sun, hein, faut savoir. Sun restera toujours mon. Non, qu'est-ce que je fais moi? Sun restera toujours mon premier, mais après à voir. Hein. J'ai mis où il est là et hop. Alors, je sais pas du tout ce qui est bien pour lui. On va pas mettre flash, on va juste mettre un truc qui au hasard, on va mettre sprint hein, comme ça. Et son build qui met de début, c'est quoi? DPS soutenu. Est-ce qu'il y a un set? Comment on a pas encore été généré? Regardez et équipement chaud, ils mettent ça. Ok, bon bah après je sais pas, du vol de vie pour lui. Il va mettre éclatement. Éclatement. Ouais d'accord. J'aurais fait plus. On va tester ça. Et c'est un combattant. Bon on va lui mettre ça alors. Hein. Bon on va tester ce qui est le mieux pour lui. Bon, par contre il n'y a pas trop de différence avec le skin et le skin. Ah non c'est parce que j'ai pas fini de faire la mise à jour. Ouais il faut changer mon deuxième personnage. Je vais prendre Clit. Voilà. Et commencer. Bon on va tester Dirot en mode de practice c'est ça ouais. Bon en mode entraînement quoi. Hein. Alors là je vais pas faire une présentation de Dirot, je vais juste faire un test de Dirot. Si vous voulez voir une présentation, je crois qu'il y a d'autres youtubeurs qui en font, vous pouvez chercher. Je vous mettrai une vidéo en description. Alors bon, son premier pouvoir, qu'est-ce qu'il fait? J'adore son style, là, sa façon qu'il court. Quoi. C'est quoi son premier pouvoir? Et s'il pouvait venir Clint? Ah mais en fait j'attends, mais en fait je peux juste, c'est vrai que je suis en mode practice du coup, je peux faire. Alors, on va mettre un patrolling bot. Non, c'est pas ça. Un normal bot, voilà. Alors, premier pouvoir, il fait quoi? On va tester. Il a l'air de faire des dégâts comme ça. Oula! Ah, c'est stylé! Et là, ça fait quoi si je fais ça? Oh, je sais pas ce que ça fait. Là, genre, il a ses mains qui deviennent bizarres. Mais je sais pas ce que ça fait. Ok, bon, là, après, je sais pas. Genre, t'es là, hop, t'arrives. Tu peux attaquer comme ça. On dirait le passif de Bane. Mais là c'est beaucoup plus stylé parce que c'est pas son vrai passif, c'est son. Bah c'est son attaque quoi. Genre tous les trois trucs qui de. Ah ouais, et genre tu peux faire. Ah oui, après tu peux attaquer un ennemi comme ça. On va tester ça. Genre mec.
On va voir ça. Genre, il est là, il arrive. Il est caché dans les buissons, il arrive, hop, il fait ça. Il spawn, il attaque. Ah oui, genre, il met un espèce de. Je sais pas comment ça s'appelle. Une espèce de matraque là. Bon, c'est un truc qui attaque quoi. D'ailleurs, aussi, le Lord il a changé. Il est. Bon, ça sert pas vraiment à quelque chose, mais il est stylé, je trouve. Donc, est-ce que ça reste toujours comme ça si tu n'utilises pas tes pouvoirs? J'ai l'impression que oui. Hop. Ah ouais, c'est stylé quand même. Hein. Genre, le mec. Bon, là, c'est un bot. Faut pas comparer avec un bot. Ah, mais par contre, du coup, son pouvoir il est lent. Et si le bonhomme il bouge en même temps que le pouvoir, bah. Il attraquera toujours en même temps. C'est stylé ça. Ah. Et son ultimate? Qu'est-ce qu'il fait son ultimate? Oh, ça fait un gros truc. On va tester. Ah ouais, genre, il met un truc et il fonce sur l'ennemi. Ah oui, ça doit faire hyper mal, genre le mec il a plein de build et tout. Et puis là ça doit faire hyper mal hein. Ah ouais, bon bah après à voir, faut savoir utiliser, mais il a l'air stylé quand même hein. Je pense que c'est un personnage que je vais quand même essayer de beaucoup jouer hein. Hop. Et déjà son passif bon enfin je sais pas, c'est pas vraiment son passif en fait. Il fait toujours ça, c'est son attaque quoi. Et son attaque normale c'est un seul passif de Bane genre. C'est stylé. Mais j'ai pas compris ce que c'était ça. Je sais pas si on peut voir. Ah, on peut voir. Attends, vite, on part. Oh, stylé. En plus, il va vite. On va aller on va voir s'il détruit facilement la nature. Bon, là, il est déjà niveau 5, mais il a aucun build. Genre, il est là, hop. Il a fait une attaque. Ouais, bon. Je pense qu'il peut détruire facilement la nature, mais genre, dès le début, est-ce qu'il pourrait détruire facilement la nature? On va tester ça. On va le réinitialiser le niveau. Genre, et quand il est niveau 1. Est-ce qu'il peut détruire directement le mec là? Ouais, il a l'air de pouvoir le détruire. Hein. Il fait quand même mal. Hein. Ah oui, mais il a du vol de vie. Attends, mais je récupère du build. Ah oui, mais j'ai récupéré le premier build. Au début, t'as pas de build au début. On va partir. On va le laisser récupérer sa vie. On va mettre réaliser niveau. Et est-ce qu'on peut enlever le gold? On peut pas enlever le build. Bon bah c'est pas grave. Mais en tout cas, ouais, en fait, il y a du vol de vie déjà personnel, j'ai l'impression. Genre, il vole du vie personnellement. On voit très bien qu'il vole du vie, alors que pourtant, si je regarde ça, ça fait pas de vol de... Ah si, 4 de vol de vie. Ok, j'ai rien dit. Bon, il doit voler de la vie, mais après, en vrai, il peut très bien attaquer ça tout seul, c'est bien ça. Au moins, dès le début, tu peux te mettre bien. Et aussi, là, l'espèce de... De monstre, du coup, là, il sera déjà niveau 2. Et puis après, il peut attaquer l'espèce de... Je sais pas ce que c'est, là. Voilà le crabe. On va voir s'il peut attaquer le crabe. Mais non, c'est pas toi que je vais attaquer. Mais casse-toi, toi. Donc, en même temps, qu'est-ce que ça fait là? Hop. Il a l'air de. Ouais, il a l'air de bien se débrouiller, le mec. Hein. Après, faut savoir le jouer, mais il a l'air de bien se débrouiller. On va voir ce qu'il donne en partie. Pour voir comment il est. On va faire une partie en classique. Alors, dans notre équipe, nous avons Alucard, Hilda, Kimi, Roger et Selena. D'ailleurs, Roger, son skin est stylé, le dernier skin, je crois. Et dans notre équipe, nous avons Zilong, Diroth, bon, moi, Lancelot, Kari et Eudora. Et dans la partie, on va faire la routine qu'on a fait tout à l'heure, c'est-à-dire de détruire le monstre qui est là. Donc, on va l'attendre. On va le détruire comme ça, on sera déjà niveau 2. Puis, on va essayer d'aller beaucoup dans la forêt, je pense qu'il est fait pour aussi. Hop. Après, à voir quoi. Et en attendant, il va aller. Elle reste vraiment à l'aile. Genre, parce que ils ont dit, il y a un truc qui se fait que mobile, genre, tu restes ici. Mais c'est nul de rester là. Genre, tu peux pas rester là, quoi. Genre, je veux devoir aller en haut, là. C'est ce qu'il est en train de me dire. Ah, je vois s'ils ont vraiment du vol de vie. Ah, il a vraiment du vol de vie, en fait. À chaque fois qu'il fait son grand coup, il a du vol de vie. Il va faire quoi, Lancelot, là? Tu me laisses mon bonhomme. Ah ouais, stylé. Casse-toi, c'est mon bonhomme. Il est pour moi, tu vas me prendre des XP. Putain. Le mec, il vient et vers moi, il me prend des XP, là. Wesh, c'était à moi, ce bonhomme. Allez, moi, je m'en vais. Oh bah, plus qu'il... Ah bah, d'accord, il me laisse aller tout seul sur la ligne du haut. En plus, j'ai dit que j'allais sur la ligne du bas. Super. Ils disent... ils ont fait une mise à jour disant « Oh, vous êtes spécialisé pour ça, spécialisé pour ça. » Mais en fait, finalement... Il n'y a pas vraiment de spécialisation. Je sais pas si ça existe ce mot, mais... Allez, non, toi, on va les détruire. Donc, tiens, je kiffe ça. Je kiffe son truc. Et putain, mais il fait quoi, lui? Wow, il fait quoi, là? Ah, bah, je vais tuer.
Ah bah d'accord, bon allez, en fait, j'ai même pas compris ce que j'ai fait, hein. J'ai tué ses pouvoirs comme ça, hop. Je lui ai dit, ah bon, il va le détruire facilement, hein, comme il a un grand coup. Et puis après, j'ai fait ça, et les jeunes, hop, comme ça. Allez, on part continuer à détruire. Bon, c'est facile. On va essayer de détruire, on va aller détruire les mobs. Allez, il fait quoi, là? Hein? Oh, ouais, je vais partir. Je crois que je me suis un peu trop enjaillé. Je me suis trop enjaillé. Oh putain, je me suis. Oh putain, oh, je joue comme un pro. Oh, c'est un pro ça. Oh, c'est un pro qui passe à travers les murs. Ok, toi. Oh! Comment j'ai tué? Il est trop nul! Il essaie de vouloir me tuer. En même temps, après, j'ai fait un peu un bon coup là parce que quand même, il était au point de me tuer là quand même, hein. Si j'aurais pas mon pouvoir pour fuir, et bah, il m'aurait tué, quoi. C'est stylé, ça fait à la style Harit. Et ce que je déteste bien. Mais quand c'est moi qui utilise, bah c'est cool ça. Ils sont détruits, mobs. D'accord. Qu'est-ce qu'elle fait là, elle? Aïe! Wow! Elle est vénère, elle. Hein. Ah ouais, elle est vénère. Ah oui, d'accord. Ouais, elle est vénère. Hop! Allez! Meurs! Meurs! Oh là. Je vais partir. Non, tu partiras nulle part, ma petite. Hop! Je vais mourir. Parce qu'avec une. Ah ouais, avec une. Ah bah oui, mais avec une Kimi. Tu peux un peu rien faire, quoi. Allez, c'est parti. On y va. On va aller sur la ligne du haut, puisque de toute façon, ils ont pris ma ligne du bas. De toute façon, on est dans la nature, on est dans la ligne du haut. C'est bien. Mais par contre, ouais, en fait, il n'y a pas beaucoup. Il perd vite sa vie, j'ai l'impression. Genre, il faut quelque chose qui fait qu'il perd moins sa vie. Genre, je sais pas quoi, mais. Je sais pas s'il est dans ses builds. J'ai pas vu ses builds. Faudrait que je lui fasse un vrai build pour lui. Et puis après de toute façon vous verrez des youtubeurs qui mettront du bon build pour lui. Moi c'est pas mon truc de trouver le bon build, hein, pour les persos, hein. C'est pas vraiment mon truc, quoi. Hop, allez. Ya Iha. Alors en fait quand il a son pouvoir il fait un petit truc. Et après quand il est comme ça, quand il est hyper grand, il fait un grand truc. En fait plus tu fais son attaque. Ah ouais, d'accord, je comprends un peu comment il utilise. Je comprends un peu comment il utilise ses pouvoirs. Genre il va garder ça parce qu'il a tout le temps ça. Ok. Ok. En fait c'est pas, c'est un personnage facile à utiliser. Après, il faut juste avoir le bon build, comme je dis, mais c'est un personnage qui a l'air d'être facile à utiliser. C'est juste moi qui arrive juste comme ça. Ou c'est pas du tout comme ça qu'on utilise. Et puis moi, j'utilise d'une façon complètement différente de ce qui était destiné pour lui. Après, tant que je sers pas à rien. Par contre, si je fais genre tout comme ça, ça va pas être super. Hop, bon, c'est super. Et puis son ultimate, il me sert hyper bien. Oh là. What the fuck? Oh, la meuf, elle arrive comme ça, là. Sans pression. Hop. Bon, ben, j'ai raté. J'aime bien les pouvoirs comme ça, le premier pouvoir où tu lances un truc. Et en plus, c'est encore plus stylé avec Sun, où il y a carrément son sbire, son clone qui arrive. Bon, allez, on va aller attaquer la ligne du milieu, là. Attaquer après avec. Ouais, non. J'ai peut-être parlé trop vite. Hop, yeah. Ah oui, mais je peux rater le pouvoir, en fait. Je savais pas qu'on pouvait rater notre pouvoir. Genre, je savais pas du tout. Je crois que c'était genre le pouvoir qui était stané sur lui. En fait, non, faut viser. Hop, désolé, je t'ai pris tout mon truc, mais j'en avais besoin. Bon, ouais, non, j'en avais pas vraiment besoin, mais... Putain, mais elle est chiante, Kimi, hein. La meuf, elle arrive comme ça, moi, je bougeais tranquillement. Et... Ah, merde, c'est pas des gens de mon équipe. Ah, c'était pas des gens de mon équipe. Je croyais qu'il y avait une personne de mon équipe qui attaquait. Là, je suis trop con, moi. J'ai cru voir. En fait, je suis sûr que c'est Roger qui m'a perdu le fait qu'il soit bleu. Après, voilà. Je sais pas s'il est ami avec Sun, lui. Hein. Je pense pas qu'il soit très ami avec Sun. Après, Sun l'a jamais vu, je crois. Mais je crois pas qu'il soit très ami avec Sun. Hein. Hop. 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 Et. Hop. Et maintenant, je fuis. Ah oui, mais non. Ils arrivent là comme ça. Tu veux que je fasse quoi? Déjà, il y a des gens qui quittent la partie. Super. Ça m'aide vraiment. C'est très intuitif pour lui. Moi, je suis le nouveau personnage. Hop. Ah oui, il attaque de plus en plus vite. J'espère s'il est bien fait pour attaquer vite. Il veut du vol de vie. Ok, je fuis. Directement, je vais fuir. Ok. Ok, d'accord. Ok. Ok. Non, c'est bon, j'ai rien dit. Tue-les. Allez, Lanceau, tue-les. Yes. Et tu son pouvoir? Ouais, bien joué. T'as un bon lanceau, toi. J'ai l'impression d'avoir pris du retard, genre. Genre jouer avec des gens qui a l'air d'être forts. Lol. Lol, on peut pas traduire. Lol, c'est lol. Hein. Ou lol, c'est League of Legends aussi. Mais non, on va pas parler de ce jeu.
Parce que c'est PC, nous on est mobile, hein. Allez. Ah ouais, prêt. Animation, zéro mort. Ah 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 ah. LOL, jeudi. Je sais pas de quoi il parle, mais en tout cas, j'ai pas très bien compris, hein. Nous, on va aller se faire du build tranquillement. Hop. Allez, en plus, il est bien, là. En fait, il est... Ouais. Oui, mais non, mais à Lucas, je t'ai rien demandé. Voleur de... Ok, toi, mon gars, il va prendre cher, ce mec. Ou c'est moi qui va prendre cher. Ou c'est moi qui va prendre cher. Wouah. Mais il est vénère, hein, Lucas. Attends, je sais pas comment on écrit... Ouais, mais... Il me cherche, hein. Hop, 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 et... Quoi? C'est qu'il l'a tué? Voleuse! Oh, la voleuse! Alors, à moins que c'est elle qui a fait le kill, c'est elle qui a fait les dégâts, hein, aussi. Hein. On sait pas. Je prends ça parce que j'en ai besoin, merci. Hop, t'as raté ton pouvoir, en plus. C'est dommage. Moi, j'aurais pu passer à travers le mur. Ah oui, par contre... Ah oui, qu'on va prendre cher, là. Ouh, qu'on prend cher. Hop, hop. Bon, ça va, en fait, je rattrape vite, hein. Avec son pouvoir, là, qui fait que ça attaque tout autour, ça aide beaucoup, hein. Ça aide vraiment beaucoup. Mais après, ouais. Allez, c'est parti, on attaque. Wow! Alors, déjà, si elle a l'air d'être bien vénère. C'est pour ça que je fuis. Ouais, c'est pour ça que je fuis, oui. Ah oui, c'est pour ça que je fuis. Ah, d'accord. D'accord, ok. Non, mais après, voilà quoi. On va pas se moquer de moi, hein. Après, ça se trouve, vous savez. De toute façon, vous aussi, vous savez pas jouer normalement. Vous aussi, vous savez pas jouer. Si vous savez jouer, c'est vraiment que. Bah. Allez, c'est parti. O, traduit par en. Oh. Ah, ok, faut aller en haut. Dès parti, on y va en haut. On va tous les rattraper, on va tous les défoncer, on va tous les. Allez, 3-3-2-1. Et hop. C'est passé, c'est super. Hein. Il est pas si mal en fait ce personnage. Hein. Comme tous les personnages en fait, faut juste savoir jouer. Hein. Par contre, il y a vraiment des personnages que j'aime pas du tout, du genre à la stack Balmont. Ah putain, je crois que c'est un ennemi qui arrivait. Un Zilong qui arrive comme ça, c'est cancer pour les jeunes débutants comme ça. Hein. Comme moi, enfin débutant. Je suis un débutant dans le tryhard. Genre. Attends, mais j'en ai marre d'elle. C'est pas possible. Mais c'est pas possible. Mais c'est pas. Mais what, mais elle est. Ouais, mais elle est vénère. Hein. Eh, je sais pas, mais elle a bu de l'alcool, mais en tout cas, faut qu'elle se calme, hein. Alucard, top lane. Ouais. S'il va détruire, je veux bien l'aider, hein. Genre, moi, en fait, je suis un peu un support. Genre, je veux pas aller attaquer tout seul. Ou soit c'est moi qui sais pas jouer, mais... Bon, je pense plutôt que c'est moi qui sais pas jouer, mais après, quand même. Par contre, c'est bien. Ce qui est bien sur lui, c'est qu'il est facile à détruire les mobs. Je prends énormément de dégâts, je sais pas pourquoi. En fait, j'ai pas de protection. Mais oui, c'est ça, j'ai pas de protection. Et hop. Ah oui, mais j'ai pas de protection, en fait, je comprends. On va gérer notre build juste après, mais en fait, je comprends pourquoi j'ai pas de protection. Bon, je vais pas répéter ça 3000 fois. Si on prend... Ah merde. Ah, j'ai acheté deux fois la même chose. Genre, j'ai... Ah, c'est plus 70 d'attaque. Je crois que c'est du vol de vie. Ah non, il y a plus 70 d'attaque et du vol de vie. Ouais. En fait, ce qu'il faut, c'est que il me faut de la défense. Genre, j'ai pas de défense en fait. J'ai qu'un truc qui attaque. Genre, il faudrait que genre j'ai ça, plus 90 de défense. Ou genre ça, et 100 de régène. Ouais, c'est ça qu'il me faudrait. Il faudrait que je me mette un truc de défense. Et ça, bah après, comme y'a pas de bon build. Après, bah c'est moi qui va créer le bon build en fait. Je vais créer le bon build et puis vous allez voir dans les tops. Vous allez me voir dans les tops. Hop. Ah! Ah! Aïe, c'est bon, t'es mort. Oh, je vais mourir. Oh putain, comment elle m'a tué. Hop. Oh putain. Ça, c'est chiant parce que, genre, ça va faire deux parties de montage, mais du coup, c'est chiant quand les gens appellent. Genre, je viens de me faire appeler, mais. C'est ça que j'aimerais avoir un téléphone spécial pour l'attaque mobile et puis. Oh merde, j'ai tué mon ultimate pour rien. Il y a un téléphone spécial pour. Il fait quoi là? Allez, c'est moi. Oh putain, comment j'ai volé le kill. Je suis désolé, hein, les mecs. Je vais détruire le Lord, comme ça je vais voir s'il peut détruire le Lord tout seul comme Sun ou il faut vraiment qu'il ait l'équipe ou un support. Je vais voir ça direct, hein. Allez Lord, tu vas mourir mon petit. Ah, je peux pas utiliser ça. Bon là, il a trop de vol de vie. Mais oui. Attends, que je te tue.
Attends que je te tue. Je te prendrai. Bon, ça va. Heureusement que j'ai le vol de vie, parce qu'en vrai, même si c'était pas prévu, ça veut dire que si j'aurais pas eu de vol de vie, j'ai un peu galéré, je pense. Ouais, un peu, pas qu'un peu, je pense, hein, beaucoup. Heureusement que j'ai le vol de vie. Attention, hop. Ouais, c'est parti, j'ai pu détruire le Lord. C'est-à-dire que j'ai pas trop de mal. Bah, enfin, ça dépend en vrai, ce que tu prends comme build. Hein. Parce que tu peux avoir du mal, mais c'est tout dépend du build. Le build, c'est la vie, quoi. Genre, sur ce personnage, il peut être fort, mais il est fort que pour la nature. En fait, c'est un personnage fait pour aller dans la nature. Mais après, à voir, quoi. Il faut aller avec la team. Bon, en tout cas, là, on a gagné, mais c'est pas grâce à moi. Enfin, peut-être, hein, parce que c'est peut-être le Lord qui va tout détruire. On va voir ça, hein. On va les attaquer. On va suivre le Lord déjà. Ah oui, stylé le Lord. Hein. Stylé. Apparemment, il y a aussi une nouvelle map en mode Rix. C'est vrai que j'ai testé quand je serai d'autre partie en mode Rix. Genre, moi, je vais tester. Je vais pas faire de présentation, je vais juste tester. Genre, ce truc, il va mourir. Hein. Hop, ya. Yeah. Et zombie. Oh putain, je crois que c'était un. Mais il me fait peur, dis donc, j'ai l'impression que c'est un ennemi, quoi. Et hop. Ciao, vous êtes morts mes petits. Lui là, Alucarca. Oh il bug. Ah oui il bug. Ah non il bug pas très bien. Hein. Il avait pas l'air de très bien bugger. De très bien, enfin non, bien, non, c'est pas censé être bien de bugger. Ils ont détruit notre lord. Et zop. Ah, aïe, aïe, oh, oh, aïe. Vite, fuis. Je vais mourir. Et au pire j'ai tué ça, comme ça tous les sbires vont partir. Mais son poids il fait pas mal en fait là. Il fait pas mal du tout. Comment je me suis rattrapé? J'avais que 4 kills, j'ai pris 7 kills. Et en plus on gagne de ça. On va dire que on a fait une petite remontée à la fin quoi. On a fait une petite remontée, c'est tout ça. En fait, il faut qu'il aille dans la nature comme ça, il prend énormément d'avance parce qu'avec la nature, il prend même plus avance que Hanzo. Et du coup, c'est super. On va liker parce qu'elle a fait 6 kills, elle manque 2 fois, on va les liker. Et on va aussi liker l'autre équipe hein, parce qu'ils sont. Ils ont été bien. Bon. C'est la fin de cette vidéo. Si vous voulez voir tout ce qu'il y a eu dans la nouvelle mise à jour, parce que la nouvelle mise à jour a l'air quand même stylée, hein, surtout ces personnages. Et les modes, parce qu'il y a aussi des trucs que tu peux faire, et des nouveaux tutoriels que tu peux avoir à partir des 3 de base. D'ailleurs, ils les ont mis à l'envers. Ils ont mis 1, 2, 3, 4, 5, 6. Voilà. Mais bon, voilà. En tout cas, n'hésitez pas à faire des tutoriels et on va voir juste le jeu. Je prendrai un build bien pour lui et puis je vous montrerai dans une prochaine vidéo quand je parlerai d'autres choses sur Mobile Legends. On se retrouvera pour une prochaine vidéo les amis sur, je sais pas parce que je pense que ça va être du Roblox ou du Hearthstone, mais je pense plutôt que du Hearthstone. Et ciao les amis.